Era mica possibile dunque di organizzare le nostre giornate letterarie senza parlare di produzioni letterarie e musicali in Corsica, dunque in lingua corsa. Eccoci dunque qui, in questo spazio di Natale Luggiani, professori, studenti, giovani e più anziani, con un soggetto che ci adunisce tutti, dunque alla nostra lingua. Vi preghiamo allora di passare una bella stonda e vi aspettiamo in nostra sera per il nostro scontro letterario. Voglio in noi che c'è un'altra conferenza a Obu, non la letteratura, dunque, non la tele di letteratura in prigione, in cui M. Freni, e dunque di importante per noi, soprattutto per il rapporto al contesto. Ecco, grazie a tutti e ora lascio la parola all'intervenente. Bon, buongiorno a tutti e vi preghiamo dunque una bella giunta qui allo spazio Natale Luggiani a ringraziare la Soggiù Le Belle Lettere di averci invitato qui in su tema di l'evoluzione della lingua corsa attraverso la musica e la letteratura, dunque un programma abbastanza largo e divizioso in perspettivi. E da cominciare forse a presentare il tavolino qui con Giacomo Fusina, professore d'università, inemeritato a UAM, ma sempre fido. No, professore, chi è specialista di lingua e cultura corsa, ma che di noi ha aperto qui a Villera di Scienze e Educazione, dunque specialista di noi di Scienze e Educazione. In dell'ordine geografico di Radio Brandon Andreani, che è in Master quest'anno, Master MEF, dunque si spera futuro insegnante di corso, e specialista di noi che ha fatto studi di corsi. André Fazzi, che un amico a titolo qui proprio di sua specialità di maestro di conferenza in scienze economiche e di politologia, ma più da paroliero e da poeta in lingua corsa, che è stato uno dei membri fondatori di un gruppo Boge Vento e che ci ha lasciato un pochi belli testi, belle canzoni di noi. E Giacomo Utier, che non si presenta più nemmeno, e che è professore di sociolinguistica e di lingua corsa ritirata. Innemeritato di noi. E chi ci ha rigato, al di là di sue funzioni universitarie, come Giacomo Fusina, una bella poca di testi, di canti e poi un'opera letteraria di qualità. Ecco, dunque, a prima parola la muda da Giacomo Fusini, nell'ordine di un testo qui, forza da definire a Pinuccia ciò che si può intendere da evoluzione della lingua corsa nella musica e la letteratura, è assai largo da fare, ma forza che il primo costo si può dare un'interpretazione di a questione che ci è stata posta da Le Belle Lettere. Grazie. Mi pare che la questione a questo punto fosse un poco ambigua, dimmi. Vera, evoluzione della lingua corsa. L'evoluzione della lingua corsa, ognuno la conosce, la rebbe la conosce, in fin di conto. Ma penso che prima di discutere questa questione così, sarebbe interessante vedere da quelle pertute sul movimento, se vuole, d'evoluzione. È sempre, se mi vuole parlare di evoluzione, c'è sempre parlato di un punto di principio, e beh, dove lo si va, come lui ha il cammino, in fin di conto. E da quello se per tutto, mi pare che Giuseppe ha ramentato sempre che prima di 1975 e dopo prima da 1981 c'era una situazione della lingua che dura, si può dire, quasi vicino a un livello zero. Quella davanti 75 è segnalata da un testo ministeriale, una legge, che chiamano la legge Dexon, che era un deputato socialista che ha lanciato lì. E questa legge Dexon dice che 71, 75, 71, dice
51, oui, 51, 70, dopo è stato questo appunto a messa. Dunque, Salesi Agustì dice che un'epoca di lingue dette di regione, regionali, si meritavano di essere insegnate, ma il corso non c'era mica. Il corso era considerato dando sino all'anno 70, perché si parla di 75, sino al 73 o 74, era stato considerato come lingua allogena. Lingua che, in fin di conto, non era mica un uso ambio naturale di essere insegnata in Francia o come lingua regionale in Francia. Cioè, non era mica tutto fatto falso di là, posto che è vero che tanto la lingua era considerata come una specie di dialetto e la lingua italiana. Non è che dopo una specie di leo massiccia di Agorsica, un lavoro di scuola corsa, per esempio, e anche di un pochi eletti che hanno tanto manifestato che erano in rapporto un merito di un merito Astia, l'anziano merito Astia, Jean Zuccarelli, era buttato dando, tanto giusto appunto a lavorare su San Agustì. Permette giusto appunto la lingua corsa in un quadro di la famosa legge d'Exon. A parte da questa c'è stata giusto appunto un'evoluzione che ha cominciato a poesizzante piano piano e con un statuto particolare per la lingua, a parte all'anno 1981, che conosco benissimo perché stato dando io un caricato di metterlo in ballo. Bon, voglio mica continuare più, riveneremo a questo punto così, ma mi pare che uno dei primi punti che lo gioco a parlare, che lo gioco a trattare in un tema, una tematica scelta, e oggi mi pare una di queste così. Ma c'è altro affari da lì, ben inteso. Ma voglio cadere la parola tutto il tempo. Un piccolo giro di tavolino prima per dare un po' di contenuti a domanda, a questione. Brandon, poi piglia la seguita. Allora, beh, saluto a tutti. E mi parla di rivoluzioni di lingua corsa, mentre il tema è la musica e la letteratura. Bon, cioè vera, da quando si partaria e Pagliugna sia un punto che qui lo togli. Io parlo per rapporto a ciò che conosco io, sono nato nel 95, da 21 anni e cercare di lì ciò che ho visto io e ciò che di noi, ciò che ho inteso parlare, ciò che ho visto di lì e tutto che vi raggiungo un po', bon, mi rumina a me sarebbe piuttosto la musica e ma vera, cercare di apportare ciò che posso a questo soggetto qui. Giacomo per esempio da un'interpretazione appena a ciò che tu poi metta su titolo d'evoluzioni di la lingua corsa nella musica e nella letteratura. È un discorso assai lungo, assai divisioso e non lo voglio mica costa così perché così no di fare un discorso e, bon, e mi malfido di me stesso. Ma aggiungo un piccolo punto. E qui ho visto una persona che è stata un muscolare in degli anni, giusto appunto che mettiamo in ballo i primi corsi a un liceo di Guastia. E vi posso dire a cosa lui amava il canto e la musica. Perché io non so mica cantare, non ho mica la rete, un musicante, quando vengo un musicante è un tipo che non è mica simpatico per me perché mi rammenta tutto ciò che non ho mica e allora non è mica facile accostare niente così e voglio semplicemente dire a Pedro Vondacci che è qui che a una certa ora a un liceo di Guastia a parte di 6 ore perché i corsi di corso erano rimandati in fine di giornata per provare a scoraggiare giusto appunto perché c'era la prima volta che l'istituzione scolare aveva messo in ballo i corsi e allora erano in fin di giornata. Benedicchi, avete capito, tutti quelli che avevano gara, non avevano mica piscina, come si dice oggi, c'è piscina, avevano gara, scappavano così. E allora io dando facia un corso in cui il canto era assai importante. Perché? Perché permetteva di far sentire un corso fuori dalla scuola a tutto il liceo e in particolare al censore che gli racconta l'insegnamento del corso. Ecco ciò che voglio dire. Rapporti tra
a lingua e a musica era un militantismo. Allora, abbiamo dunque l'appuntamento, André. Inizierà con una piccola precisione per abortare ciò che diceva Giacomo Vosina, dicendo che sicura in un 51 ricusano che il corso fosse considerato come lingua di Francia. Di regola ci doveva essere stata una piccola rivolta di diretti corsi. Infatti no, c'è stata quella di Marte di Jean Zuccarelli, mica quello da Uova, buono, mica da De Mica. Jean Zuccarelli ha domandato che il corso fosse ammesso come lingua regionale di Francia, ma all'epoca, e farei qui una piccola distinzione, all'epoca c'è sempre una logica, fermo politologo quantunque, una logica integrativa. A parte sì, di quella mossa degli anni 70, io voglio dire che sono sempre onorato di Spartan Taurino con Giacomo Vosini e Giacomo Dier, questa mossa straordinaria, spropositata degli anni 70, la lingua corsa diventa soprattutto lo spettro di una logica di differenziazione. Di differenziazione e ad diventare un puntello di una logica più politica, di sicuro. E ciò che ritengo, per avanzare forse in un altro punto, è che se le odie a lingua corsa sempre qualcosa di bello vivo, l'uso sociale forse è sempre un po' in perdita, ma ferma qualcosa di bello vivo, di sicuramente per via di aggregazione, soprattutto forse di aggregazione, ma di noi di letteratura. Va bene, in quanto a me, penso che a questa radio il soggetto non ha due punti che non sono mica specificati in delle questioni, forse un punto qualitativo e un punto quantitativo, perché c'è di nostra questione qui che si pone, e guarda Pinuccia con me da poi una quarantina d'anni, quantunque siamo ripeto il paradosso di una calata di a lingua in de garuglio, popolo, eccetera, e poi quantunque una crescita maggiore di consumo e di creazioni, e forse un sguardo così appena nanta ciò che posso insegnare e da di materia ai studenti e fa appena un punto nanta qui. Ecco, io poi ripeto il microfono e forse sviluppa nanta una decina di minuti o topare, arriveremo a giro così nanta ciò che è stato annunciato e poi dopo già ne penso che non potremmo dare di nuovo la parola al pubblico per un'epoca di reazione e di questioni. In corso in francese, come volete, eh? Siamo tutti bislingui, qui non c'è mica problemi. È vero che ciò che ha detto Jacques Thiers non ha sanato del liceo, e per tutti è fermato un'epoca interessantissima. Io, non dirò mica un bastia d'ondo, ma ricordo che c'era una scolare Jacques Thiers che mi scriveva, si chiamava Patrizia Cattagega. Era una giovane scolare che scriveva e io pubblicavo già, come c'è chi non ha il famoso rigiro di poi 73, e dunque c'era una specie di idea che si stabilì da subito tra ovvero Bastille e Parigi a causa degli insegnamenti del corso. Io tanto insegnavo al corso, ma insegnavo a Parigi, a Olivier Lavoisier, vicino a Luxembourg, vicino a Saint-Michel, e ai assai scolari. I borghi sono diventati un po' conosciuti e che volevano passare l'acqua in lingua corsa. E ad esempio, un ricordo su Sebi Agosti, in 1981, perché l'ho girato sempre come una data, perché è l'anno che sono rientrato in Bastille, ma sono rientrato in 81 a rientrata, per un mese di dicembre, okay? Più di rientrata. Ma in 81, un mese di giugno, era sempre professore in Parigi. E mi ricordo che gli ho fatto passare a Broa di Gorsu a Uacu, al centro d'Antoni, dove si passava tutti, erano tutti raggruppati questi, tutte le lingue di bretton e occidentale, eccetera. E un corso, ma ricordo che in 81, perché sarebbe veramente una specie di ricordo bizzarro, perché hai avuto 81 candidati di lingua corsa in 1981, perché se mi ricordo sempre di fare questi,
Quantunque vuol dire che c'era 81 giorni qui più, ma che hanno passato a scegliere in corso d'ando, in Parigi ce n'era 81. Dunque, siamo quantunque all'orli di l'anno di già adesso un cambiamento, ma d'ando un po' di studenti erano già coscienti di questo cambiamento questi. Dunque, è già importante questo. Dopo c'è stato un statuto, a discussione, per un gaccio che lo dice giusto appunto Andrea, e Savary, Alain Savary, un ministro dell'educazione di Alain Savary, che ha fatto un basso più grande sul menu questi, era convinto quello che giusto appunto la lingua regionale, che la sia pigliata da quelli che la operano, che la praticano o che la praticano mica, come l'arabo AS, RDB AS, questa si può discutere, ma è vero che ella ha voluto dare in quadro dell'educazione nazionale un statuto a sua lingua. Era scritta così l'amministrazione, un statuto particolare della langue. E così che un epoca di destino, d'81, sono stati messi in ballo non da si e Agustì, di un statuto, una e amica, o se no, se l'hai avuto, non c'era mica stato questo problema. È stata un'avanzata grazie a Sabarulla, statuto, una lingua, aveva un statuto in quadro dell'educazione nazionale. Questo, il primo passo importante è stato questo questi. Allora mi direte, forse che l'affare sarebbe andato altrimenti sì. Alain Savary era stato sempre e ha tenuto il posto di ministro dell'educazione nazionale durante tutta la mandatura di quella prima mandatura di Mitterrand, tanto. Invece che è lo stesso, è stato, si può dire, traito da suo proprio governo, posto che l'ha imparato quando era in visita in Bretagna, dalla televisione, che era smesso di suo posto. Perché che c'è stata le grandi manifestazioni nazionali tanto a religione e a lingua, laicità di a scuola, eccetera, eccetera, affari che arrivano sempre in coglie, ma dando Mitterrand non mica urzuto, non mica Bolzuto lo giudicava sui ordini del suo governo e non era mica d'accordo con Alain Savary che era piuttosto un golista di manca, se vuoi, all'epoca, considerato così, ma è restato con Mitterrand. Ecco uno dei problemi maggiori che l'ha posto dando alla lingua. E io mi sono stato impegnato in questa questione, così, al rettorato, non c'era ancora rettore, quando sono diventato io, il rettore è venuto che dopo, si chiamava Ottavi, Antonio Ottavi, ma non lo conoscevo ancora io. Quando sono stato nominato io, non c'era ancora rettore. E quando è stato nominato rettore Ottavi, ha invitato subito a Savary, che era sempre ministro per qualche mese, a bene in Ajaccio. Il rettore non era mica dello Zidro a Roma, ma era avvenuto Noel Franchini. E mi ricordo che mi tocco un bicchiere con Savary in suo rettore di Usti, e la risposta non è poche questioni, io, pur rettore presente, dicendo, ma io chi volete che faccia? Non si sa bianco nulla. E tanto era mai nominato spettore di formazione continua, via da appena, andando a chi bere con la lingua corsa, tanto, ma fine, boh, hai accettato. Bon. E hai cominciato a discutere non una funzione. E mi ha detto, tanto, qu'est-ce que vous êtes... Je dis, écoutez, moi, actuellement, je suis en détachement. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? J'envisage d'être ou inspecteur d'académie ou inspecteur principal d'enseignement technique. Et m'a dit, eh bien, ce sera inspecteur d'académie. Et la peine, nous sommes complètement longtemps dans la situation réelle. Mais c'est ainsi qu'elle s'est passée. Au bout d'un endroit, tout la phase, on va dire, nous allons mourir. Mais il y a des vagues. À qui tenaient des hautes et questions qui ci tramandano oggi e sempre, che sono questioni storiche della lingua, come si è passato da un punto a un altro, eccetera, eccetera. E abbiamo praticato tanto appena i scagni di un ministero dell'educazione nazionale e ne abbiamo imparato assai. Tanta maniera che funzionava il ministero dell'educazione nazionale, tanto, e come lo funziona di esempio ancora, posto che basta leggere informazioni e assente informazioni, come gli amici sempre così. Beh. E che all'ingrosso qualcosa. Dopo c'è, voglio saltare, i problemi dell'università. L'università si è impegnata ella stessa, a parte dall'apertura e dai due o tre anni dopo l'apertura, non ta, a questione linguistica o sociolinguistica di lingua corsa. E questi ci sono stati progressi maggiori che sono stati fatti, grazie a Edese, appunto, di Giacchiere, di Dioboli e di un po' di altri, ben intesa. E tanto se
pigliato la questione della lingua in un'altra maniera che la si rabbiata fino a ora. Sortiamo da un solo rapporto stretto senso di un linguistico, ma andiamo di un soggio linguistico. Non si mica compie completamente la questione, posto che oggi si può parlare di nudi psicolinguistica, si può parlare di soggio linguistica, ma mica solo soggio linguistico, o senso soggio linguistico, ma di a società e di a lingua. E la questione è la ufficialità, la questione è la polinomia, tutte queste questioni così, o il linguismo in generale, che hanno domandato sfinizioni, hanno domandato discorsi, colloqui, eccetera, eccetera, se ne può parlare perché sono elementi di storia, di lingua, con si vuole lasciare così. Penso che la gioventù che bene oggi è obbligata a conoscere questa questione così. Se non conosce mica questa questione così, non può mica avere le decisioni giuste e bere che lo si traverrebbe già, non tarda bene. Bon, per non essere troppo complicato, gli lasciava quello, perché c'è troppo a fare i soldi diretti, ma infine, interessante quanto. Ti ringraziamo per questa spicchiata storica, nanta, soprattutto l'aspetto insegnanti, forse l'aspetto più creativi, e con Diagomo, on peut peut-être alterner un petit peu les langues pour permettre l'accès aux étudiants qui nous ont rejoints, soit la bienvenue aux étudiants de sciences de l'éducation en particulier. C'est difficile quand même de prendre la parole. Prendre la parole en français, on risque de faire des tas de fautes après cet exercice de libre expression dans une langue non normée. Voilà, il va falloir passer à la langue normée. Une langue amie, comme dit. Oui, moi je voudrais, sur les points qui ont été évoqués, je voudrais dire d'abord une chose qui est du domaine anecdotique, qu'a rappelé Diagomo Vousine, et qui concerne aussi en partie le débat et l'orientation de la réflexion. Il s'agit en quelque sorte de ce courrier que reçoit Diagomo Vousine dans les années 76 par là, et dans lequel se trouve la demande de texte pour Patrizia Gattaglia et Patrizia Boli. Diagomo Vousine m'envoie effectivement des textes, mais il ajoute, alors je crois que ça vaut son pesant d'or, il dit, bon, bien sûr, je t'envoie ces textes, mais je doute qu'ils puissent être mis en musique, car d'ailleurs, moi, je n'écris de poésie que en séparation totale avec la musique. Voilà. Et voilà ce qu'il est devenu. N'oublions pas que ces poèmes ont été mis en musique depuis ces années-là et de manière régulière, et qu'il est aujourd'hui, je crois, le parolier, c'est indiqué par la SACEM, le plus fécond de la Corse. Donc, cela nous informe aussi sur ce qui a été indiqué. Oui, outre qu'il a un train de vie évidemment important, étant donné ce que lui rapportent ces indemnités SACEM, cela nous indique aussi le trajet de la langue qui passe à travers les genres aussi. De la chanson au poème, il y a quand même le franchissement d'une frontière générique, qu'il faut assumer, sur laquelle il faut réfléchir. Je voudrais revenir aussi sur un point pour insister là-dessus. Il me semble qu'à l'époque, ce qui a fait la faveur de la langue corse, de la reconnaissance de la langue corse, c'est l'union de trois domaines, me semble-t-il. D'abord, ce que l'on pourrait appeler la volonté populaire, avec une sorte de réunion des différents champs, avec PS, des différents champs, en Corse, sur le continent, dans les villes universitaires, en l'absence d'université en Corse, et le mouvement des étudiants, le mouvement des amicales de Corse, et de tout ce qui se préoccupait de la pérennité de l'identité. Ça, c'est un élément important que je classerais sous le terme volonté populaire. Il y a ensuite la volonté politique,
C'est la volonté politique, on peut dire qu'à l'époque, elle est extrêmement réticente dans les classes, dans les couches habituelles de la société qui conduisent un certain nombre de leurs membres jusqu'à la responsabilité politique. Il y a une opposition, me semble-t-il, assez nette que vous pouvez retrouver dans la presse un peu partout. Si bien que cette opinion en faveur du Corse est obligée de s'imposer. Et puis, il y a un plan qu'on oublie souvent, c'est le plan scientifique. Mais, bien entendu, tant que l'université, au sens le plus large du terme, ne reconnaît pas la langue corse, comment voulez-vous que le politique puisse reconnaître une langue que les scientifiques ne reconnaissent pas? Or, il faut savoir que jusqu'à l'intervention de Jean-Baptiste Marcellet et de Hans Goebel de l'université de Salzbourg, que nous avons reçu dernièrement, eh bien, les linguistes ne reconnaissaient le corse que comme un dialecte. Impossible de le reconnaître comme langue. Par conséquent, le ministère et la structure politique, là je parle sous le contrôle d'Andrea Vazzi, ne pouvaient pas s'avancer sur ce terrain, ou tout au moins ils avaient un alibi pour ne pas y aller. Lorsque nous avons réclamé ensuite le CAPES de Corse, moi je me rappelle comment nous étions reçus au ministère. On ne nous accueillait pas. C'était très simple. Nous allions déposer notre demande qui allait jusqu'au ministre, peut-être. Lorsque j'ai été président du CAPES de Corse, eh bien, les mêmes personnes qui m'avaient accueilli avec une certaine froideur m'appelaient pour me dire « Mais monsieur le président, il faut à tout prix que vous nous envoyiez les documents, etc., parce que vous êtes en retard. » Je crois que toutes ces choses-là doivent être à tout moment à notre esprit lorsque nous pensons à l'émergence et à l'étaiement et à la possibilité d'une fortification de, on va dire, l'assise glottopolitique, de la politique de la langue. Si on oublie la volonté des gens, la volonté populaire, la reconnaissance par l'université, au plan le plus général de la majorité de la langue corse, et enfin les mesures politiques, les avancées politiques, je crois qu'on se trompe complètement. Je crois qu'on ne pourra jamais enregistrer un quelconque progrès de la langue corse. Enfin, voilà, hein, quelques mots. Merci. On reviendra peut-être sur les aspects création et ce que nous avais promis en introduction, c'est-à-dire la Telludigante et compagnie. André, peut-être deux mots aussi sur cet aspect de Cantu Musica et ce que tu voulais mettre en perspective sur une dizaine de minutes, peut-être que tu peux développer un petit peu. 10 minutes, c'est trop long. Non. Comme tu veux. Non, je voulais simplement peut-être revenir, insister sur l'importance, encore une fois, de cette Leo Aiutantà, de cette demande sociale qui était très forte. Si je me rappelle bien, la méthode A6000 de Pascal Marquette, je crois qu'elle est de 74, Alain, tu me corriges, a été vendue à 15 000 exemplaires en moins d'un an. Il y a quand même une demande sociale énorme. Il y a des cours de Scolagourse, moi je ne les ai pas vécus, mais j'ai lu les journaux, qui étaient bondés. Il y a une vraie demande sociale. Et ensuite, la chanson vient quelque part donner une dimension nouvelle, peut-être plus revendicative et plus subversive à cette langue corse qui est en plein développement dans toutes ses dimensions. Et en tout cas, j'ai la conviction, je crois inébranlable, que la chanson a été un vecteur de transmission, d'appropriation de la langue corse absolument exceptionnel. J'appartiens à une famille militante qui m'a appris le corse depuis que je suis né. La chanson a été le socle,
le socle d'une véritable seconde appropriation de la langue corse. Mais c'est tout à fait réel, je veux dire que ce soit celle de Jacques et de Jacques autour de moi, je veux dire, j'avais aussi une appétence particulière pour des gens comme Dédé Noble et les textes de Dédé Noble ou de Dianter Amoureux, qui, je veux dire, ça a eu un poids exceptionnel, je crois, dans ma relation à la langue corse. Et peut-être, si on doit avancer véritablement sur des aspects plus personnels, on se dit ensuite, pourquoi est-ce que quelqu'un comme moi, qui finalement n'est une culture littéraire très peu développée, contrairement à peut-être ce que mon titre de maître de conférence pourrait laisser penser, culture littéraire très peu développée, poétique très peu développée, se met finalement à vouloir écrire des chansons, c'est tout simplement parce qu'il y en a un besoin. Que la musique, l'écriture de mélodies, a créé le besoin de mettre mes pas dans celle de personnes qui avaient des pieds infiniment plus grands que les miens peut-être, mais en tout cas, je vais essayer de le faire quand même. Merci André. Brandon, on paraît forse dans ta canto musica. Alors, mi pare non to canta musica, cioè di chi per noi giovani e per io che sta giunti a noi, il canto è veramente a maniera di far passare la lingua a più potenti e a più efficaci, posto che la prima parte dei giovani che sono giunti alla lingua sono giunti per via il canto. Non è mica veramente un caso per chi possa stare arrivati a una famiglia in cui si parla il corso, ma mi ha aiutato assai tutti gli amici che taglio che parlano il corso. Quasi il 100% sono giunti grazie al canto e in Ajaccio, la scuola di canto che ha formato tanti cantatori, dove sorti, per esempio il gruppo Gevento e tutti questi gruppi qui, che esce dalla scuola di canto, perché Federico Boggi che è contento. E cioè di che è una maniera veramente, posto che il corso è stato fino a poco fa una lingua soprattutto di località, con cosa ho scritto si è sviluppato, località che passa qui per la canzone permette veramente d'entrare nella lingua, di essere una maniera piacente di imparare e di là dopo, quando usa l'arnesi linguisti, veramente di esprimersi a costruire veramente e di dire ciò che non aveva mai lì in dell'ambio che è stato per esempio l'ambio politico degli anni 70 e poi dopo le evoluzioni che ha fatto che la musica, parlo di musica, ha evoluato. Per esempio c'erano prima degli anni 50, 60 la canzone che è stata dita un po' di carte postali, un po' certi volte quasi caricaturali, anche se c'erano di cose assai interessanti con Carlo Rocchi, anche Regina e Bruno, ecco, i fratelli Vincenti, che non mi dice l'anno, sono stati veramente ciò che ha fatto la transizione tra Stepica qui, dello, c'erano di nuovo i canzoni per i turisti e tutto, cioè di cose che so, ma dire un'antrepica, un'altra maniera di esprimersi. E dopo arriva di 70, la canzone rivendicativa, che canta proprio il corso, il tema di Aesi e tutti i gruppi che sono giunti dopo. E la canzone, dunque, i testi e la musica solidani, esprime l'epica dell'usicampa e poi dopo ci sono stati veramente i musici, gli altri musici che sono giunti da influenze d'altrove, come i gruppi dopo ancora negli anni 80 come Zia De Vorda, Rialzo, che hanno dove un'altra musica, una musica dita più moderna, ma tenendo sempre i bagoli, o a una unità di esprimersi tradizionali, con il tema di non tradizionali, intrecciando di lui, perché non è mica perché la musica è moderna che io vendo, l'affare non deve mica essere spiccato, tutto si raggiunge, e anche con questa rivoluzione in Ivormi, per esempio, la rivista Rigiro, che ha voluto dove formi nuovi, formi più moderni di letteratura, in una forma con rimi sciolti, a formi come l'haiku, a fare così, a formi più corti che quelli tradizionali. Cioè, il fondo avanti deve essere mica spiccato, e ciò che oggi sia, che tutto sia intrecciato e permettesse un'evoluzione di la lingua e che tutto, che la farà avanti. No? E noi siamo qui con questa lascita qui e a cercare di fare ciò che non vorremmo per esprimerci a modo nostro con ciò che è stato fatto, cercando di fare cose noi, tenendo ciò che è stato fatto innanzi. E certe volte non è mica valido, ma cioè fa ciò che si può per continuare questa lingua a gampi, nell'espressione più moderna, tenendo ciò che è stato fatto innanzi
e senza scordarsi da dove noi veniamo e dai nostri cari e tutti i lotti che sono stati che hanno permesso di questa lingua di campare e di fare che evoluisse. Merci Brandon. Moi, je vais reprendre un petit peu dans le même fil, essayer de remettre un petit peu en perspective sur du qualitatif et du quantitatif. Peut-être être un petit peu scolaire en distinguant aussi la littérature du chant, même si les frontières sont ténues. Du point de vue quantitatif, essayer de voir un petit peu comment la langue corse a évolué. Elle a nécessairement évolué parce que si une langue n'évolue pas, c'est qu'elle est morte. Le latin n'évolue plus, c'est une évidence. Et le corse, évidemment, a évolué. Alors, sur les aspects littérature, on peut remonter au 19e siècle et voir comment la langue corse passe de l'oralité à l'écrit et qu'à ce moment-là, elle va trouver ses premières problématiques de transcription, de graphie, etc. C'est la graphie italienne qui va donner la base et ensuite, la langue corse sera adaptée petit à petit. Mais on voit que dans la production littéraire, toujours d'un point de vue quantitatif, on a des moments phares comme ça, 19e siècle, des productions, mais elles sont malgré tout assez anecdotiques. Enfin, Diagomo Vuzin me complétera sur bien des aspects là-dessus, mais je ne vais pas m'étendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un temps de production assez intense entre deux guerres. Et un moment sur le point de vue qualitatif où la poésie sera en même temps une poésie très marquée par la tradition et avec ce que Pascal Marchetti a appelé la littérature di l'abbandono, une espèce d'angoisse qui commence à naître par rapport à la perspective de la perte de la langue et de la culturation. Mais en même temps, déjà avec des poètes comme Filippini ou d'autres qui peuvent être d'inspiration très moderne. Donc c'est un temps de tâtonnement, je dirais, entre une angoisse de la perte et de l'innovation dans ces années-là. Et en termes quantitatifs, la poésie sera abondante, les textes et les récits aussi, mais on aura peu de romans, peu de littérature de fiction, peu de regard sur nous-mêmes dans ce temps-là. Si je prends le bilan qu'avait fait René Emmanuel dans les années 70, il ne recense par exemple qu'un seul roman, c'est celui de Dalset ou Pêche anguille, qui a vu le jour dans le tout début des années 30, en 1930, conçu entre 28 et 30, et rien d'autre. Si on continue un petit peu sur le quantitatif, en 2003, donc après le passage du Riaquist, si tant est que le Riaquist s'est arrêté un temps ou qu'il est toujours en cours, je ne sais pas, ce sera aux anthologues, les anthologues, ceux qui font les anthologies, de le dire. En 2003, on recense déjà 12 romans pour aller vers ce qui manquait le plus durant un siècle. Et je peux vous dire qu'en 2015, 2016, aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, mais on peut en compter 20 à 25 de plus. Donc on voit bien que du point de vue quantitatif, on n'a jamais autant produit que durant ces 40 dernières années, tout en sachant que le roman est un petit peu notre point de repère pour combler des lacunes qui ont été pointées auparavant. Mais là, on a vraiment un signe très très fort. Le Riaquist est un véritable élan. Il donne dans un premier temps une grande production et puis dans un second temps une vraie production littéraire. Après, on pourra dire si cette production est instituée, bien critiquée, bien présentée, etc. Mais en tout état de cause, on n'a jamais autant produit. En discographie, c'est pareil. Hein. Il y a eu des chansons, il y a eu de la production dans le XXe siècle. Au XIXe siècle, c'était plutôt l'oralité qui prévalait. Mais en tout état de cause, depuis l'émulation de Canta o Popolo Corso dans les années 70, même s'il y avait de la discographie avant, on n'a jamais autant produit, les paroliers n'ont jamais autant travaillé et la discographie ne s'est jamais aussi bien portée. Et en même temps, en termes toujours qualitatifs, la langue corse dans le chant est quasi omniprésente, tandis que la littérature peut se décliner de façon plurilingue. On peut dire aujourd'hui que la définition de la littérature corse, c'est du français, du corse, de l'italien, voire du latin, si on se réfère à l'anthologie de Diagin Trui Ivia Groge. Voilà, alors moi je vais en profiter aussi pour poser des questions à nos invités, et notamment à ceux qui sont aujourd'hui des témoins du Riaquist. Qualitativement, on peut dire que si on regarde les textes, par exemple, de Santu Gazzanoa dans la Tramontana, ou de...
ou de Dalceto dans Pechanguila, on peut dire que c'est un Corse qui est matiné de français. Bon, c'est de la bonne littérature, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce Corse-là n'a pas encore connu un regard sur ses contenus. Il y a encore des problèmes de stabilisation orthographique. La langue, elle est un petit peu mixte. Et c'est une littérature en élaboration. Bon, il y a d'autres textes, il n'y a pas que Dalceto et Casano. Je prends ces exemples-là parce qu'ils ont été vraiment remarqués. Et on peut dire que le Riacuisto, juste après les années 70, en 71, on a un manuel d'orthographe et d'orthoépie qui nous est donné par Pasquale Marchetti et Domenico Antonio Geronimi. Et là, on peut dire que la synthèse de tout le parcours orthographique durant deux siècles est faite et que la proposition de stabilisation de l'orthographe est remarquable, parce que non seulement elle a l'adhésion de l'ensemble des acteurs, des nouveaux acteurs, après une génération qui a vieilli et qui s'est petit à petit éteinte avec Petru Ciawati et le Montese des années 50, là on a vraiment une bonne stabilisation orthographique et quasiment la fin des débats. Allez, il y aura encore quand même quelques belles joutes sur tel ou tel mot ou telle occurrence orthographique, mais il y a déjà un premier pas du point de vue de la transcription et de la forme. Et en même temps, on peut dire que les années 70 ont été aussi une véritable opération de défense et illustration de la langue corse. C'est-à-dire que là, avec les auteurs, on en a deux ici, mais il y en a bien entendu bien d'autres, on a véritablement une synthèse aussi qui est faite. On est allé chercher dans les anthologies, Matteo Cecaldi avait déjà publié l'anthologie des années 20, on a des textes, le Montese a fait du travail. En fait, on appelle la Arumpidu Radio 70, la rupture des années 70, mais il y a quand même des transitions. Et c'est là que je voudrais poser une question notamment à nos deux grands témoins ici, sans vouloir les rendre trop caciques. Mais c'est vraiment intéressant. Par exemple, Jacques Thiers, dans cette illustration et dans cette évolution qualitative de la langue, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, me dit, par exemple, moi, j'ai été chercher chez Troiani, dans Dopugena, si je ne m'abuse. Et Giacomo Vusina va nous répondre aujourd'hui, mais j'aimerais bien savoir comment cette langue qui s'élabore, qui a le projet de tout dire, de parler de tout dans la société, comment elle va trouver dans ses antécédents tout le matériau pour pouvoir évoluer et donner encore des choses, parce que d'autres romans sont nés après. Encore une fois, on a une pléthore d'auteurs qui vont arriver grâce à l'enseignement. Hein. Le propos de Jacques Fousine est loin d'être anodin, dans la mesure où tout ça va ensuite être nourri par le fait d'avoir un enseignement légal et qui ne va cesser. Nous avons parlé d'Alain Savary tout à l'heure, mais il va toujours gagner en statut et en quantité. Et là, on va avoir, avec l'université, etc., beaucoup d'autres auteurs et beaucoup d'autres productions. Mais les bases sont posées en termes de langue. Et du coup, on va même pouvoir la transgresser, ce qui est aussi intéressant. Je pense par exemple à Marco Biancarelli, qui ne reconnaît pas, et c'est loin d'être un reproche parce que la littérature est aussi faite de transgressions, qui ne reconnaît pas justement l'assise du Riacuisto et qui sera dans une littérature beaucoup plus transgressive. Mais on ne peut transgresser que si on a des bases propres, dirais-je. Voilà, je m'arrête là sur cette petite mise en perspective. Il y a aussi les aspects du chant qui sont intéressants, mais je voulais avoir un petit peu l'avis de nos témoins du Riacuisto là-dessus. Oya, c'est tout boli principia. Oui, je veux bien. Ce sont des accroches qui sont très intéressantes toutes. Hein. J'hésite entre. J'en ai noté plusieurs au passage, mais il faut choisir. Je commencerai par l'anecdotique, parce qu'en fin de compte, c'est souvent ça qu'on retient le plus, plus facilement. Moi, j'ai écrit deux bouquins. Un qui s'appelle « Parlons Corse » et l'autre qui s'appelle « Écrire en Corse ». Vous voyez, un parlait de l'oral et l'autre parlait de l'écrit. Le « Parlons Corse » que j'ai publié chez l'Harmattan s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires.
Je suppose qu'un certain nombre de gens qui l'ont acheté, c'était des gens du continent qui venaient en Corse en vacances ou alors des Corses de là-bas. Enfin, bref, plusieurs milliers d'exemplaires, incontestablement. Je touche encore des droits d'auteur maintenant, alors qu'elle a été publiée il y a au moins 10 ans. J'en ai publié un autre chez un grand éditeur universitaire qui s'appelle Klinksic, dans lequel justement avait publié Tchekald avec son anthologie et son dictionnaire, et qui avait un grand succès à l'époque. Ce livre-là est un bide complet. Il ne s'est vendu qu'à quelques centaines d'exemplaires, et bon, je ne comprends pas pourquoi, parce que de loin, c'est le livre duquel je suis le plus fier, parce que c'est celui qui, précisément, répond à toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur la littérature corse, comment elle a commencé, comment elle a évolué. Les fameux, les noms dont Alain a parlé tout à l'heure, Casano, Dalcet, sont traités là-dedans tous, avec des index, on peut les retrouver facilement, sous forme de questions. Il y en a 50 questions, et ce sont des réponses à ces questions. Or, pour moi, c'est un mystère, enfin, pas tout à fait un mystère, parce que précisément, si bien il y a cette réunion aujourd'hui, c'est bien parce que les gens, les nouvelles générations, ignorent en grande partie cette genèse, si on veut, hein, de la littérature. Et on ne sait pas très bien comment l'apprendre, etc. Et il m'a semblé que, justement, répondre par 50 questions, par 50 réponses à 50 questions que j'ai, moi, posées sur cette littérature, me semblait balayer complètement le champ général sur ces questions-là, qui me semble indispensable si on veut parler ensuite de Reacquist, d'après le Reacquist, etc., etc. Si on ne connaît pas les bases, on ne peut pas. Alors, je vous incite à lire Écrire en Corse. Je pense qu'il y a aussi un petit problème de type éditorial, c'est qu'on m'a imposé le titre de Écrire en Corse que la plupart des gens prennent pour comment on écrit en Corse. Oui, un peu c'est ça. Alors qu'en fait, moi, je voulais dire écrire en langue corse. Comment on l'écrit aujourd'hui en langue corse? Eh bien, avec un C minuscule. Et donc, il ne peut pas y avoir d'erreur. Mais beaucoup de libraires se trompent parce que je vois mon livre de temps en temps qui est mis dans les méthodes, vous voyez, dans les méthodes d'apprentissage. Or, ce n'est pas vraiment une méthode d'apprentissage. C'est un livre sur la littérature et les fondements de la littérature. Voilà. Moi, il me semble que ces questions-là, il faut les traiter. Si on ne les traite pas, on n'en sortira pas. Alors évidemment, par rapport à ce que disait Alain à l'instant, il y a toute une série de pas qui ont été franchis, de seuils qui ont été franchis, et celui du réacquiste en est un. Cette réappropriation s'est faite lentement, et aujourd'hui elle est mise en cause même par un certain nombre de gens, dont Marc Biancarel, effectivement, qui l'a mis en cause pratiquement, s'éloigne même d'un certain nombre de positions sociales et politiques, etc., avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Je l'ai eu comme étudiant, je le connais bien, évidemment, et il a raison, et il fait ce qu'il veut. Et puis, de toute façon, psychologiquement ou psychanalytiquement, on tue toujours le père, et c'est comme ça qu'on progresse. Mais enfin, ça n'empêche pas qu'on peut quand même connaître, essayer de connaître un peu mieux les fondements de ces questions, du père en question, des pères. Comment ils en sont arrivés là? Parce qu'eux aussi, ils ont eu ce genre de problème-là. Nous, on était, avant d'être des pères, on est des fils. On a été, avant d'être père, on a été les apprentis, les gens qui, etc. Et je me souviens que, comme je disais Jackie à l'instant, Troyane, par exemple, que sa petite fille n'apprenait jamais Troyane, mais Trojane, puisqu'elle est aussi comme étudiante, elle disait toujours, moi je suis Trojane. Mais non, tu n'es pas Trojane, tu es Troyane. Ce J que Trincia de Cambiarine avait pourtant, auquel avait fait un sort. Hein. C'est vrai que le J long, c'est I, tout simplement. C'était Troyane, d'Hydroïa, tout simplement. Eh bien, Troyane, c'était un instituteur qui est devenu inspecteur départemental et qui, sur la fin, a écrit des livres, justement, en mettant des lexiques à la fin, etc., que nous contestions beaucoup, parce que nous disions, pourquoi il met des lexiques comme ça? Mais il n'avait pas de tort, parce que d'une certaine manière, il était nécessaire, ce lexique, parce que souvent, surtout quand il parlait de P.G. Groux et des pratiques du pain, du travail du pain, de la résine de pain, etc., qu'on chauffait, etc., pour en faire justement du goudron. Eh bien, ça, c'était très important. Tout le monde l'apprenait avec beaucoup d'intérêt. C'était la région d'Asco, etc., et lui, il parlait de sa région. De son microcosme, il traitait ça sur le macrocosme et qui était valable pour toute la Corse.
pour moi, ça a été justement un maître d'une certaine manière. Même si je contestais par ailleurs l'évolution, hein, parce qu'il semblait un peu en retard, si on veut, sur le mouvement général. Mais c'est un peu comme on doit faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut tout simplement analyser, voire critiquer, etc. Mais connaître, si on ne connaît pas, on ne peut pas critiquer tout ce qui s'est passé avant. Je regrette un peu, justement, qu'un certain nombre de jeunes, aujourd'hui, critiquent, au fond, sans trop connaître. Et moi, au contraire, je ne récuse pas du tout la critique. Il faut la critique. Elle est nécessaire. Elle est très importante. Je suis en train de lire, par exemple, « Saison de papier » de Jean-Paul Antroven, qui est un remarquable travail d'écriture critique sur aujourd'hui, hein, sur lequel on peut évidemment critiquer, mais on voit qu'il connaît quand même les fondements de la littérature moderne d'aujourd'hui en langue française. Eh bien, pour le Corse, il faut faire la même chose. Il faut qu'il y ait une critique véritablement constructive avec une véritable connaissance de fond, non seulement des personnages et de l'œuvre, mais même du contexte dans lequel elles ont eu lieu. On ne peut pas dire ça c'est mauvais ou ça c'est bien, mais si on ne connaît pas le contexte dans lequel ça s'est fait, eh bien, Jacques Thiers disait tout à l'heure, je pose du coq à l'âne, mais quand même c'est une liaison. Quand j'ai commencé, moi j'ai écrit en français, quand j'étais occupé d'une revue de poésie parisienne qui s'appelle Puy de l'Ermite, qui est une revue néo-surréaliste, si on veut. Bon. C'était la mode à l'époque, c'était l'époque du structuralisme commençant, etc. etc. Bon, j'ai participé à ça aussi. Je me souviens que j'ai même formé des étudiants au structuralisme parce que j'avais été chargé par l'inspecteur d'académie de l'Oise de faire justement une espèce de recyclage à la grammaire nouvelle, etc. etc. Aujourd'hui, ce sont des vieilles nulles, ça. La grammaire nouvelle, ça fait rigoler aujourd'hui. Mais à l'époque, on y croyait ferme. Eh bien, c'est un peu ça. Moi, j'ai commencé à écrire de la poésie néo-surréaliste. Et donc, quand j'écrivais à Patricia Gattagi, on ne peut pas mettre de la musique là-dessus parce que c'est des vers libres, il n'y a pas de rime, etc., etc. Et en même temps, j'avais un type comme Antoine Chiosi qui venait me voir au lycée toutes les semaines et me disait « Mais scrivimi qualcosa, ma cosa vuoi dire, Gustavo, ti onte, ou demo di oi, etc. » Et j'ai commencé à faire... Et c'est comme ça que j'ai commencé. Le premier avec qui j'ai travaillé, c'est Antoine Chiosi, en faisant des textes... Une des premières chansons qui a été mise en musique par lui, c'était Liea di Ulta, l'idée du retour. Et bon, et c'était une chanson qui avait. Il n'y avait pas encore Continental à cette époque-là. Mais je me rappelle qu'il y avait des jukebox, et j'étais dans une plage du côté de Cherville, on est par là, et toutes les fois que je descendais à la plage, il y avait des gens qui mettaient cette chanson-là. Ça me faisait beaucoup de plaisir. Mais enfin, bon. Pour vous dire, c'est un peu ridicule aujourd'hui. Les vieux, quand ils parlent, c'est tous des anciens combattants. Je me sens un peu ancien combattant et j'aime pas beaucoup les anciens combattants, à vrai dire. Mais on l'est forcément, parce qu'on prend l'uniforme comme ça. Mais vous voyez, le genre de choses comme ça qui, en même temps, c'est intéressant parce que ça permet de, même si je suis critique moi-même hein, par rapport à ça, hein, je me trouve ridicule par certains aspects, bien entendu. Mais enfin, il faut le connaître, il faut le savoir. Même si on trouve que c'est ridicule, c'était une étape qu'il fallait franchir. Mais je ne vais pas trop parler, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Oui, moi aussi, je me sens gratté par où ça me chatouille, mais je ne vais pas céder à la tentation. À l'animé, vraiment, je crois qu'il a balayé un champ tellement large qu'on a du mal, à y trouver la petite place. Eh oui, oui, il balait très bien. Donc moi, je parlerai de la question de la norme hein, que tu as évoquée à un moment donné à propos de la norme orthographique. Il me semble que cette réflexion sur la norme est importante parce qu'il y a deux types de normes. Il y a la norme qui régit le fonctionnement interne du système linguistique et qui permet... La communication, si je te parle dans cette langue que tu me comprennes, cela veut dire que nous partageons la même norme, c'est-à-dire le fonctionnement, hein, les règles du fonctionnement. Ces règles du fonctionnement, cette norme est tout à fait distincte de la norme orthographique, parce que la norme orthographique, elle est une réduction de la norme de la langue. Elle est une imposition. Sinon, on ne pourrait pas comprendre pourquoi on accepte d'écrire « j'aime » avec un « e »
tu aimes avec ES et ils aiment avec ENT. Il y a une norme orthographique, il y a un travail, il y a une convention là derrière, il y a une convention que ne peut créer que l'assentiment raisonné d'un groupe, c'est-à-dire d'une académie. Or, pour une académie, c'est une institution, on va dire, au sens large, politique. Il ne peut pas y avoir de normes au sens second s'il n'y a pas d'académie, s'il n'y a pas d'accord. Alors, quelle est la situation actuelle du Corse? Eh bien, le Corse n'a pas d'académie. Le Corse n'a donc pas de normes orthographiques. Il ne peut pas en avoir tant qu'une académie ne s'est pas accordée sur les choix qui sont faits, sur les choix orthographiques. Actuellement, les choix orthographiques sont faits par une sorte d'assentiment populaire, on va dire un peu comme ça, désordonné, et qui s'accompagne de querelles plus ou moins virulentes en fonction de, allez, je vais dire, l'intelligence des gens. Hein, tant pis pour le mot critique. Actuellement, ce qui régit la norme profonde de l'échange du Corse, c'est le système que nous avons adopté et qui est le système de la polynomie. C'est-à-dire, une langue, qu'est-ce que la polynomique ? La langue corse est une langue polynomique parce que c'est une langue qui fonctionne sur plusieurs normes qui sont toutes reconnues comme appartenant à un ensemble unitaire par les gens qui participent de cela. Tous ceux qui vont contre cela ne sont pas pour l'unité de la langue corse, pour dire les choses rapidement aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas de normes orthographiques reconnues et unitaires. Ça, il faut le dire. La polynomie n'a pas conduit quelquefois à l'anomie du point de vue orthographique. Et cela doit être, c'est-à-dire l'absence de normes. Et l'absence de normes, ça s'appelle le désordre. Voilà, il faut savoir que la langue corse, de ce point de vue, est un chantier. Et il appartient donc à l'autorité de passer à ce que l'on appelle la normativisation, qui est le contraire ou qui est autre chose que la normalisation. La normalisation, c'est rendre normal l'usage de la langue. La normativisation, c'est doter la langue corse de ces normes consenties par l'ensemble de la population. Voilà. Donc il y a du travail à faire. Et ce travail à faire est d'autant plus urgent que la société est animée d'une demande de co-officialité de la langue corse, et on voit mal comment l'officialité de la langue corse pourrait être mise en œuvre s'il n'y a pas d'accord. Ça, c'est une question à mettre quelque part dans la réflexion générale. Hein ? Vraiment, nous avons besoin vraiment d'outils de la co-officialité. Les outils de la co-officialité supposent un accord minimal sur ce que l'on appelle la polynomie. Sinon, on va à l'anomie. Alors, de ce point de vue, nous avons des ressources qui sont nouvelles par rapport à l'époque ancienne. Nous avons en particulier l'informatique. Et il faut bien songer que pour l'établissement, par exemple, d'un dictionnaire général de la langue corse, il serait intéressant d'en faire un e-dictionnaire et bien sûr, avec des sorties papier, mais d'abord doter d'un instrument qui soit un instrument, on va dire, informatique, qui permette de reconnaître toutes les variantes de la langue corse. Ça n'est pas impossible, ça demande du travail, mais ce travail-là est nécessaire si l'on veut donner vraiment toute son efficacité à une politique de la langue qui soit partagé par tous les citoyens. On a des exemples à côté, on a des exemples d'échecs. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais par rapport à la norme, par rapport à une expérience présente. Je suis en train d'écrire un livre par rapport aux affiches politiques des années 70 et 80. Je l'écris en Corse, c'est la première fois. J'ai fait ce choix, de façon délibérée, puisque je pense que si on n'est pas capable de parler en Corse de tout, d'écrire en Corse sur tous les sujets, malheureusement,
l'avenir de cette langue sera assez rapidement compromis sous deux ou trois générations. Donc, passons. Une question totalement qui peut sembler anodine, mais qui relève de la difficulté à imposer ou à faire consentir à une norme, la question des prénoms composés en Corse. À mon sens, il est évident que Pedro Anton doit s'écrire tout attaché. Dominique Anton est tout attaché. Sauf que j'ai interviewé des gens pour faire ce livre qui écrivent leurs prénoms composés de façon détachée. Et au bout de 15 jours, j'ai réécrit l'ensemble du livre en détachant les deux prénoms. Tout simplement pour ne pas les, pour ne pas les vexer. On va peut-être, Brandon, je vais te donner la parole tout de suite, mais on va peut-être aussi aborder, avant de donner la parole au public, peut-être les aspects du champ. On a peu parlé des évolutions. Là aussi, je vais peut-être prendre deux secondes pour remettre en perspective, puisque le mot évolution quand même sous-tend ce débat aujourd'hui. Dans le champ, je crois que la problématique plurilingue apparaît beaucoup moins. C'est-à-dire que le chant, la chanson corse, il y a du français, de l'italien, du latin, je ne sais plus, mais il a dû y en avoir, mais bon. Il y a du français et de l'italien, mais quand même, en grande majorité, c'est le corse qui prévaut. Alors, bien entendu, on peut remonter très loin, et l'oralité est quelque chose d'extraordinairement puissant et fondateur dans les repères du chant en Corse. On remonte au bas mot au XVIIIe siècle avec toute la tradition orale et tout ce qui a été retrouvé en Terzetti, Padiel, Bogeri, etc. Le passage au XIXe siècle commence à identifier des créateurs comme par exemple Paolo Matteo della Vogata. Et je crois que l'articulation la plus marquante que nous avons eue dans l'évolution du chant, c'est que dans la vie même, du chant en Corse, qui était, Dirman Adizerbe l'a bien montré dans son ouvrage Canto Nustrale, ou par ailleurs Dominique Saline, ici à l'université, par ses cours, il y a un chant de vie, un chant de travail, un chant de société qui passe de la vie à la scène et à la discographie. À partir des années 30, aussi bizarre que ça puisse paraître, on commence à entrer dans la dichotomie auteur-compositeur, alors qu'avant, Uerzo réunissait tout. Hein. Auteur-compositeur, la notion même de parolier nous était un petit peu étrangère avant cela. Il y avait des poètes, Punte Basta, qui avaient Uerzo et qui pouvaient s'exprimer soit en improvisant, soit en mémorisant. Mais il y a une articulation qui se fait. Et à partir de là, on rentre dans les années 50 où tu as tout à l'heure parlé chant pour touristes, chant carte postale, tout ce qui a été stigmatisé un petit peu par le Reaquist a aussi donné des choses intéressantes. Donc on a un moment entre Corse et Français où la chanson corse va tendre vers la variété. Ses contenus vont devenir parfois assez mièvres, peu intéressants, sauf... Quand même, on va quand même pas stigmatiser l'ensemble. On a aussi quand même des chansons avec des textes de grande qualité, avec les frères Vincenti un peu plus tard, ou d'autres avant, je ne les ai pas en tête ici. Et ce qui va être concomitant à cette période-là, c'est le recueil de fonds sonores. C'est-à-dire que des gens vont se promener dans toute la Corse, le plus illustre c'est bien entendu Felice Quilici, et ils vont recueillir le chant traditionnel corse à travers tous les villages, et c'est ce fond-là qui va donner les bases du Reaquist. Et le Reaquist va donner d'autres textes, des textes engagés, va instaurer la polyphonie, va marquer son temps, non plus par le chanteur qui prévalait avant les années 70, mais va instaurer plutôt le groupe, ce qu'on a appelé le groupe culturel, c'était même un peu pompeux à partir de Kant. Et là, on va entrer dans une discographie très très importante, par les groupes, par des chanteurs, et des contenus qui vont vraiment aller, dans un premier temps, vers l'engagement. Et puis, à partir de vraiment des années 80, mais même déjà dans la génération de 70,
tous les thèmes vont être abordés. Et aujourd'hui, je crois que tous les thèmes sont là. Brandon, tu peux nous dire le regard que tu peux avoir justement sur cette discographie et peut-être nous parler un petit peu aussi d'Internet, puisque tu en avais envie à l'instant. Alors, per ciò che tocca a discografia, c'è stato un'evoluzione assai maggiore. Bon, e di parlare di prima la registramento da Aragolta, si è passato prima da Aragolta a Reazione. Se Aragolta fece qui, c'è andato veramente, che ha fatto tutta Gorsica, Paragolia, ciò che lo cantava il popolo Gorsu, ciò che ha dato il nome del gruppo, che era infatti il nome del primo disco, ecco ciò che lo canta il popolo Gorsu. E all'epoca, cioè di chi negli anni 50, ancora negli anni 60, ancora negli anni 70, parlaienti, più o meno parti laienti, ciò che lo cantava il popolo Gorsu, non erano mica i padieri, i terzetti, manca appena, al contrario, erano i ganti qui, i ganti che erano di Turi, i ganti Regina e Bruno, tutti i ganti qui, anche se li agirei in una qualità. E quando ci sono stati negli anni 50, per esempio, un gruppo a Badiela, si chiama così, o anche a Manela, qui in Corti, che hanno cantato nella scena i primi Badieli, sono stati zibulati, ma cos'è questo, cantilare, quindi non cantiamo mica qui, e tutto. E prima di ogni, a un concienza di un canto corso, un fondamento di canto corso e a Badiela, c'è stata una strada abbastanza lunga, penso. E dunque c'è stata questa raccolta e dopo una manata di giovani che hanno formato a cantare il popolo corso, chi si è udito e manda prima a raccogliere e poi dopo in i paesi a cantare, non sta a scena, passa veramente da un terreno, da vita, da un canto, e un canto di Anasci, da Quanana, dopo di l'amore, i sirinati, sino a morte, a vendetta, un lamento, i rogiari, passa da a vita a scena e a scena per contare a vita, posto che prima. Allora, parlavo di un gruppo, ci sono corrigi abbastanza, corrigi di un gruppo, per esempio, che ho visto con la camicia nera, fare così, che ci viene piuttosto da altre influenze, come i Chirapaiune, che erano, penso, i primi a aver studiato questi corrigi qui, quelli che cantano Bovorossi, i primi erano gli studi, tagliò una volontà di estasi, che erano in una vita, con vista da lavorare, allora, con gli studi in una vita, mostra veramente che era il popolo che cantava e per mostrare certe rivendicazioni. Dopo sono giunti da altri gruppi che sono stati nello stesso vilo, come i Movrini, i Diami, che facevano parte prima di cantare il popolo Gorsu, e è stato durante un lungo tempo il suo canto rivendicativo che ha fatto la scena musicale di Gorsu. Anche se quelli che cantavano, la generazione di Nanzi che cantava che era la generazione di Gabaret esisteva sempre oggi d'altronde certi cantatori come cantatori di riacquisto come Mai Pesce tutto rivene a si canti qui fendo in Isola di Schetti cantando canzoni di Tony Toga di Carlo Rocchi eccetera eccetera e c'è stata dunque una linea che si è fatta tra queste generazioni anche se paria se c'era un conflitto. A un momento dato, penso al riporto di Domenico Lanzalavi, che saluta tanto ai cabaret, e di Federico Boggi, che vengo qui, che diceva che a un momento dato, negli anni 90, c'è stato un avvicinamento tra le due generazioni, che prima non era mica a guerra, come lo diceva Mai Pesce, ma quasi, c'è un avvicinamento, piano piano si sono messi l'anziana metà accordi di chitarra tra le canzoni di giovani, canzoni rivendicativo come cadene eccetera eccetera e poi dopo i giovani si sono messi anche a metà Boggi a accompagnare i canti anziani e infatti piano piano con il tempo con tutti gli avvenimenti c'è stata una certa armonizzazione che si è fatta e che ha fatto che c'è stata veramente non era più un conflitto l'affare che si sono appaggiati si sono allisciati e stando a affari da allisciati ci ha detto che prima parlavamo di registramenti a trasmissioni, che la sia di la lingua o di Uganto, era di leva in leva, di generazione in generazione. E oggi, con le evoluzioni come Internet, per esempio, che, assai, che conta assai, ma era per chi, sa fare se è un poco verticale, se è un poco più orizzontale, vale a dire che oggi, prima per imparare a badire Uganto, in i paesi giovani, e erano quelli da famiglia o quelli che cantavano, che a un momento dato sentivano e tutto, i geni avevano a cantare, mettono una boccia e tutto, e si faceva così. Invece che va, i giovani che imparano a cantare a badiere, eccetera, eccetera, o che imparano a chitarra e tutto, imparano grazie a internet,
spesso è agli stessi generazioni. Fisio, per esempio, video non c'è internet, video e video imparano così, dove l'arnesi come suoniamo, a fare così, che permetti, non c'è la stessa generazione. E voglio parlare di internet, parliamo un bagnino, non c'è letteratura, che era il nuovo tema, e poi dico che pare di giovani che scrivono oggi, quando dico giovani, dico una ventina, trentina d'anni, sono giunti prima a Ugorzo, per via internet, come certi arnelli, come i forum, Ugorzo, Isola e tutto, e sono giunti a parecchi prima a lingua, contrastando quelli, a ripigliare con internet arnesi moderni, formi, i formi più anziani, più tradizionali, come Udiamo rispondi, prima contro penso a Gianfelice Uterazzoni, Tito Di Mongi, che sono stati l'ultimo, i più giovani, aver cacciato libri, raccolti poesie, Tito, poesie paesi teli. Sono giunti a contrastare in chiamo e rispondi l'anta internet, allora che di regola un affare di l'oralità e tutto, l'orale, ha raggiunto scritto, e poi dopo virtuali ho fatto di contrastare, attaccarsi in poesia, l'anta internet sono giunti a scontrarsi in vero e a formare una rete di giovani che penso che sono qui, che sono i più giovani a scrivere, che sono la vena di la scrittura e con si limite di animica anche se la lingua vacca i formi tradizionali in un poco di tutto penso in a Olivier Ansè che è un improvvisatore che mi risponde canta loro i baglieri e che ne ha raccolta Tara Madre sciolta in 2010 piglia tutti i formi che lo può conoscere ai poesi di poesia francese o italiana guisonetti haiku veramente un affare assai largo e penso che c'è veramente un'armonizzazione con tutto ciò che è stato fatto e tutto, l'affare sta pagando appena a suo livello, c'è meno conflitto. Io rivengo un po' dalla psicologia per dire che di sicuro questo sviluppo dei gruppi militanti, di Canta, di Diami, da Villetta, di Esordienti, questo sviluppo qui ha avuto un impatto veramente tremendo nella rappresentazione, che non si a canzone Gorsi e Ragué, dopo passare questi gruppi qui, in de forse mica tutta gente di Gorsi, che di sicuro, ma in de forse la maggiorità dei giovani, in tutti i casi, la canzone Gorsi era straffare. Ed è sicuramente positivo che negli anni 90 ci sia stata una viginera trasparenti stili, può darsi che è una viginera di noi che deve essere liata a una certa depolitizzazione. In tutti i casi i gruppi militanti cantano sempre canti indiadi, testi indiadi, di sicuro, ma l'andatura non si può mica dire che le rivendicative come negli anni 70-80, questo non è mica vero. Dunque era forse più facile da avvicinarsi, ma io, e forse non si dà per dibattito, forse una riflessione che aprirà qualche porta, e io penso comunque che un spettro musicale, ciò che si va in corso, è sempre comunque assai idioso. A dico più volentieri che ciò che scrivo io, sia in musica sia in testo, mi trovo assai classico. Penso comunque che abbiamo un spazio musicale che è abbastanza difficile a allargare, e questo è forse un peccato. Merci Andri. Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé tous ici et que Jeanne, il nous reste à peu près une demi-heure, je crois. Hein. Je pense qu'on peut ouvrir peut-être d'autres questions, d'autres portes. Le micro peut circuler, donc la parole est au public et vous pouvez identifier votre interlocuteur ou poser une question à l'ensemble, mais on peut faire circuler un micro. Et Pedro Vondacci, que l'on salue avec chaleur, e con piacere qui ad apponere a prima questione, Pier Fondacci. Saluto a tutti, un amico una domanda che io avevo, perché ciò che ho inteso sino a mi pare aver inteso la mia storia, in l'evoluzione, il percorso di cantaore di Agino che ho avuto io. Vorrebbe comunque precisare un po' di affari, di chi quando lui si parla di riacquisto, è un principio di bere così i costi di corso e cantiamo canzone di Charles Roux, canzone di Antonio Giosi, canzone
Mica tutte, perché ci sono che ci variano appena, bon, Regina Bruno, non c'era manca appena, non ci riamo mica, cantavamo mulattero, mulattero, cantavamo un tagulino, tutto questo. E siamo giunti a un punto, imparare, e qui chi in letteratura abbiamo cominciato a imparare, a scoprire, perché che conosciamo mica Santo Casanova, bon, ne basta che tutti quelli Montese e compagnia. E scopriamo di noi sta rivista Rigiro, ed è qui che abbiamo la nostra ispirazione. Ma abbiamo principiato dunque a cantare canzoni che non conosciamo. C'era tanto popolo che Capunazzo aveva fatto tutto su giro di paesi, erano c'era Boletti, c'era Minigale e c'era Guelfucci, che girano i paesi a sente i versi, a imparare perché versi Vagliere, Ginè, e poi c'è la messa Gossa, di nuovo, la messa si canta così, in tal luogo, in tal luogo. Bon. Questo su travaglio noi uvegiamo a tempo a c'è stata una presa di coscienza di noi che, per dire che bon, no, noi avevamo la chance di parlare corso dopo che ne eravamo giochi, ma venivano anche questi corsi di corso gente che non sapevano e venivano a imparare. Forse siamo passati per un canto per rendere l'affare più facile a passare. È stato forse a certe volte un sbaglio che parlo così di una pedagogia di insegnamento di Hugo bon, ha dato certi bon, di un altro dibattito. Ma allora cantavamo e dopo ci siamo messi a creare, ma ricordo in sigosti di corso cominciamo a scrivere e a fare musica. Rivengo a ciò che Luigi ha Giacomo Fusina, diciamo tanto mettiamo questa poesia in musica. Non erano mica canzone, erano poesie che non mettiamo in musica. E dunque diventavano dopo canzone perché erano cantate. Ma di questo coso così. E poi vorrebbe insistere tanta, vorrebbe, scusate se sono appena lungo, ma ci sono certi affari che mi quando abbiamo cominciato a creare, perché gli amadiari non sono mica nati. Ecco, la precisione è buona perché sei uno dei fondatori di Chiamadialesi, yeah. Dunque. Mi ricordo che un giorno, soltanto di Ebroe di Baccalaureat, c'era Michel Rossi, uno di Cultura Agosta, che domanda a Jacques Thiers se non c'erano mica giovani che potevano venire a fare un teatro, ma un teatro in lingua agosta. E c'era Thiers, ha detto, bon, c'è Patrizia Poli, Pedro Vondacci, Valina, non so più come si chiama, bon, eravamo tre o quattro che si mandati. E gli amadialesi, e qui io gli scontro mai. E qui cominciamo già a cantare Badiela. Abbiamo principiato a cantare Badiela Nanzu di Grea. Dunque, già l'affare è interessante. E c'era a tempo si gossi di lingua che ci permettiano di conoscere il nostro passato di un scritto, tutti quelli che hanno scritto, che si principiano comunque. Bon, ma noi scopriamo, e questo è il nostro riacquisto, di riappropriarsi ciò che si è passato non sa noi. E c'è un affare di chi, quando noi abbiamo cominciato a creare, abbiamo fatto un certo modello. Bella dire che ciò che noi cantavamo era appiccicato a realtà politica. Volevi che noi cantavamo a storia politica, dirà a rivendicazione nazionalista che noi cantavamo. Abbiamo provato negli anni 80
diva Cuglia Magliaresi, abbiamo già fatto. Cuglia Magliaresi, dunque, la DG è nato con il gruppo Cultura Corsa. E dopo, bon, e, al principio, cantavamo le canzoni di Ganta. E dopo abbiamo cominciato a creare. Ma il nome è lo militante. Un giorno amica dice che non eravamo cantaori, eravamo militanti culturali. Non eravamo mica artisti. Cantavamo per fare apposta che esisti la lingua corsa cantata. Di che era fare? Perché chi, ci so che l'hanno rimproverato, perché dopo ci era più stante parlare di Antonio Ciosi, di Marco Nicolai e compagnia, l'hanno rimproverato di giusto appunto. Beh, a causa di Jacopo, ma posso dire, mica da aver dato testi a Antonio Ciosi, perché Antonio Ciosi dirà veramente o chiamava un'altra volta. Allora, bon, e noi allo stesso tempo cantavamo i fatti politici. E dopo, per chiama di Alessia, Geraio, abbiamo provato nell'anno 80, abbiamo fatto un disco che si chiamava S. E perché esse? Perché ti racconto che ci racconto con un'indiatura, ma vogliamo che la canzone corsa sia più la canzone slogan al servizio di un'idea politica, ma che la cantessi demi universale. Perché se in questo disco trovate una canzone non taurazzissimo, testi più poetici, più adesso aggiunto, non c'è più la forma tradizionale, non ci sono più i versi e rime e tutto questo, dire poesia per la poesia, e tanto all'epoca eravamo già considerati come o siamo al servizio della cultura corsa della politica. No, c'era un sbaglio. La politica ha più come esempio ciò che esiste, e per questo che l'abbiamo chiamato esse. C'è stato, vogliamo esse ciò che noi siamo. E così abbiamo contato due onde, ciò che si fece amica, abbiamo integrato percussioni, e dopo c'è stata una rompitura e ognuno ha fatto la sua strada. I diamagliaresi hanno continuato con quell'influenza sudamericana, bon, tutto questo, ma che hanno fatto la sua strada. Dopo i due bagisi hanno fatto fuori la voletta, aggiustando strumenti che, come piano, come batteria, piano forte, batteria, bon, tutto questo, e sia di oda, chi sia de ora, e io so per aggiungere la sia de ora, per precisare la Peioni qui era un gruppo che tu ne sei stato uno dei fondatori di noi. Yeah. Allora, sia de ora, partiamo dai testi che c'erano francese e Jeux de mots, certi ci hanno paragonato a Bobby La Pointe, ma se vuoi via de ora, una non da chi bere. Vi consiglio i giovani di stare appena si oggi qui, perché in divati la lingua tanto è nata, mi pare, per noi la creazione artistica che era la nostra, creavamo per noi, mica per via di un'idea che passava. Dunque tanto è nato questo movimento, e c'è parecchi gruppi che sono nati così. Awasi Rivane, tanto meglio, voglio dire, Awasi Rivane appena è troppo... Beh, un teatro che era il stesso, facevamo un pezzo di teatro con Cultura Corsa, c'era Nottini, c'era Simone Ciclare, che era a fare che esistia, e poi dopo è nata la creazione, c'è stato il teatro paesano. C'è stato, anche noi abbiamo creato quando eravamo giovani, c'è stato l'orco, abbiamo principiato a creare, forse con un'indiatura in Deo Desto, ma penso che quando noi ci siamo veramente spiccati di un fatto politico, che la creazione è nata,
e n'a d'avere con diente, con primure, con valore universale, con risa, con tutto questo. E fermerà di così, così non parlo di... Vabbè, no, no, ringraziati perché la tua testimonianza era, era assai importante e sa, sa si rea di l'emergenza di una creatività che giunge a punta da sopra il politico è proprio interessante e poi hai risituato il filo di questa creatività qui partendo da Zandise, a un momento che in un quartiere di città, di Bastia, nasce quantunque una mossa, enfin, fra altri, proprio interessante. Non so mica se qualcuno vuole reagire, non t'acquè, Diagomo. Moi, je voudrais dire deux mots. Je vais dire en français parce qu'il me semble avoir des regards un peu perdus du côté des sciences de l'éducation. Parce qu'ils n'ont peut-être pas compris la totalité de ce que disait Pedro. Pedro, il a bien fait de rappeler ces choses-là. Mais je ferai un peu de pédagogie pour eux, pour ceux qui n'auraient pas compris la totalité. En fait, il nous a expliqué que peut-être avec les débuts de Yamayales, avec le toucher à la poésie et la mélodie mise sur la poésie, avec Rialzo, avec Tsayoda, bien entendu, Tsayoda qui a été... Pour moi, c'était un événement majeur dans le domaine de la musique et de la chanson corse. On ne le sait pas, ça, assez. Donc, il a eu raison de mettre le doigt là-dessus. Parce qu'il me semble qu'il s'est arrivé un peu ce qui m'est arrivé au début quand je parlais de... Parce qu'on est allé plus vite que les violons, si on veut. C'est-à-dire qu'on a fait de la modernité alors que le public n'était pas encore prêt à cette modernité-là. Et je crois que c'est un peu ça le flop, d'une certaine manière. C'était quelque chose qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur au départ. Parce que, précisément, il faut un public. Dans toute manifestation artistique, quelle qu'elle soit, le chant, la musique, et la poésie aussi, et la littérature, d'une manière générale, a besoin d'un écho, d'un retour, d'un feedback, si on veut, pour que ça marche, pour qu'elle se sente entraînée. Si ça tombe un peu à plat, parce que effectivement il y a plusieurs tendances qui se mélangeaient, etc. Il y avait des gens qui voulaient du politique, il y avait des gens qui voulaient du traditionnel, etc., etc. Mais, vous savez, il s'est passé un peu la même chose, mais je ne veux pas déborder trop dans le domaine de la norme, évoquée par Jacques Thiers tout à l'heure. La norme, on est parti d'une Bible qui était une Tricia de Cambiarine, c'est-à-dire le fameux texte des années 70, début des années 70, fait par Domenico Antonio Geroni, mais sans séparer les prénoms, sans trait d'union, et Pasquale Marchetti. Or, les deux auteurs, qui étaient les auteurs phares de l'époque, qui étaient des idoles à cette époque-là, rapidement se sont fâchés entre eux. Ce qui fait que leur Bible était une Bible un peu faussée aujourd'hui, puisqu'on souvent on l'appelle, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oui, il y a pas de... oui, mais d'accord, mais eux-mêmes, ils ont changé, parce que le Marchetti a changé complètement par rapport à ce qui était décrit. Autrement dit, lui-même, il trahissait sa propre Bible. Alors ensuite, comment voulez-vous qu'on sache maintenant s'il faut séparer les pronoms, les fameux pronoms postposés ou pas, campe, mu, chi, oui, et l'italien, alors là-dedans, où il est. Moi, je suis un peu sceptique sur certaines positions pédagogiques. Dit-on pédagogique, parce qu'on plusieurs fois, on m'a dit, mais oui, parce que les élèves comprennent mieux. Oui, mais comprennent mieux, mais bon, je ne sais pas s'ils comprennent mieux, parce qu'ils étudient plus l'italien, donc évidemment, mais on ne peut pas s'éloigner complètement des racines quand même. C'est quand même des racines latines, fin de compte. D'ailleurs, le latin, puisque quelqu'un a évoqué le latin tout à l'heure, c'est le corse, ou ladin, ou gorse, ou ladin, ou boer, ou digion di dampi. La langue corse, c'est le latin du pauvre. Mais vous savez, j'ai entendu hier, sur France Culture, me semble-t-il, quelqu'un qui disait, mais on se trompe complètement dans cette histoire des langues mortes ou langues vivantes, parce que pourquoi le latin, on tarde à le sortir? Parce qu'on utilise le latin classique, on fait du Cicéron. Mais pourquoi on ne ferait pas du latin tardif, du latin populaire, du latin de l'horizontale, comme tout à l'heure, et non pas du vertical? Parce que précisément, il nous parlerait davantage, à nous Corses, bien sûr, mais même à toutes les langues romanes, d'une manière générale. Bon, vous voyez, je passe un peu d'une coq à l'âne, vraiment, mais il me semble que ce sont des choses qu'il faut toucher un tout petit peu. Je grappille, comme ça, parce que j'ai noté des choses au passage. On pourrait parler aussi pendant une heure, mais je m'arrêtais. On peut prendre une autre question, Jeanne, si on est toujours un petit peu dans les temps.
Oui, pardon, Jacques et puis Paolo Velige. Oui, ben moi je dirais, bon, merci. Je ne parle pas corse, etc. Je ne connais rien, ou pas grand-chose de ce dont vous avez parlé, mais en tout cas, une chose me paraît évidente, c'est que s'il fallait encore une preuve que votre problème, enfin, qu'il y a une langue corse, c'est que vos problèmes sont vraiment des problèmes de toute langue. Simplement, chez vous, ça s'est fait dans un temps sans doute beaucoup plus bref que pour la langue française ou pour la langue latine. Et évidemment, ça pose sans doute de gros problèmes. Alors, au tout début de ton intervention, Jacques Fouzine, tu as dit à propos de ta poésie quelque chose qui, sur le moment, m'a fait sursauter in petto, évidemment. Bien élevé, tu as dit, moi, je séparais, je voulais absolument séparer ma poésie de la musique, ce qui est une véritable provocation. Bon, puis après je me suis dit non, en fait, c'est évidemment, je pense avoir compris ce que tu voulais dire. Le problème, c'est celui des schèmes, enfin des gabarits, des modèles. Et là, on en revient à ce que Jacques Thiers disait, c'est-à-dire que bon, il faut des normes, il faut des modèles. Les premiers modèles sont étant évidemment des modèles de type lexical. Bon, on est quand même obligé d'atteindre un certain consensus au niveau des dictionnaires, enfin au niveau des mots, la façon dont on les prononce et puis la façon dont on les écrit. Bon, mais il y a d'autres modèles qui concernent beaucoup plus l'évolution de la langue et en particulier au niveau de la littérature, puisque c'est quand même un des points de l'intitulé de cette conférence, c'est que il y a aussi des modèles syntaxiques. Et là, je pense que c'est vraiment là que doit intervenir la littérature. Ce ne sont pas la littérature ne s'intéresse pas aux modèles de sens. C'est pas des histoires qui sont intéressantes en littérature, toujours les mêmes finalement. C'est des termes qui disaient toujours ton bras pas. Bon, on en revient toujours plus ou moins aux mêmes histoires. La littérature, ce n'est pas, n'a pas non plus, si tant est qu'elle ait une fonction, n'a pas non plus pour fonction de choquer le bourgeois. C'est un petit peu s'attarder, par exemple, chez Marco Biancarelli, sur cet aspect-là, à mon avis, c'est risquer d'appauvrir ce que Biancarelli apporte. Parce qu'effectivement, il utilise des gros mots, comme on dit, il utilise des mots qui ne sont pas convenables, et des situations aussi qui ne sont pas convenables. Mais ça, c'est, à mon avis, assez superficiel. Ce qui me semble vraiment fondamental en littérature, c'est tout le travail au niveau de la syntaxe, de la phrase, du paragraphe, et puis du texte tout entier. Donc, je pense que ça, c'est le privilège de la littérature, chose que ne peut pas travailler, ou beaucoup plus difficilement, du moins, la langue orale. La langue orale sera plutôt répartie, me semble-t-il, tout le travail, justement, d'évolution des mots, hein, désigner de nouvelles choses, comment va-t-on les désigner, etc., etc. Ça, c'est bien que l'oralité travaille là-dessus. La langue écrite me semble être d'abord et avant tout destinée à modifier les gabarits mentaux que la tradition véhicule. Et nous, en tant qu'universitaires, nous sommes des conservatoires de tradition. Et c'est aussi notre rôle, évidemment, de vous présenter les anciens modèles, parce que c'est à partir de ces anciens modèles que justement vont pouvoir s'élaborer des écarts intéressants et qui sont les principes mêmes de l'évolution de la langue. Merci Jacques. Jacques Fouzine va répondre, mais moi quand je faisais allusion justement à la transgression de Biancarelli, je positivais sa transgression, il n'y a aucun souci sur la valeur. Diagoumo, mots rapides, si tu peux, comme rapides, ça, Paolo Velige, pour parler à la question. Oui, juste pour répondre à Jacques. Victor Hugo, qui n'était pas avare de formules, disait « J'interdis qu'on dépose de la musique au pied de mes vers ». Il disait ça, Victor Hugo. Bon. Moi, ce n'était pas du tout la même chose. Moi, c'était la syntaxe qui était en cause. Parce que quand j'écris un vers libre, je me disais « Mais comment peut-on mettre de la musique là-dessus ?» Puisque je n'avais en tête, parce que chacun, quand il écrit, quand il crée, a quelque chose en tête.
Et moi, j'avais une mélodie en tête. J'ai des mélodies traditionnelles, parce que tout le monde avait ces mélodies-là. Donc, pour moi, le chant corse, c'était un chant qui était en octosyllabe, quoi. Et s'il n'était pas en octosyllabe, il me semblait que ce n'était pas possible. Alors, évidemment, j'avais une fausse idée, parce que, justement, on a dépassé ça après. Et puis, justement, Padriz montre aujourd'hui qu'on peut, même sans rime, faire une mélodie très bonne et qui passe comme une chanson. Mais je pense que, en fait, la morale de tout ça, c'est au fond encore une formule. Je commençais par une formule, je terminerai par une formule. C'est que certains qui disent c'est de la mauvaise musique ou de la musique ancienne ou de la musique moderne, il n'y a pas de différence entre une musique ancienne ou archaïque et une musique moderne. La différence, c'est qu'il y a une bonne musique et une mauvaise musique. Eh bien, c'est un peu, pour la création, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il faut peut-être sortir de cette espèce de clivage entre l'ancien ou l'archaïque et puis le moderne. Moderne, d'ailleurs, c'est un terme difficile, parce qu'on ne sait pas très bien si c'est du modernisme ou de la modernité. Moi, je fais la différence. Mais je crois qu'il vaut mieux raisonner sur une question de qualité. Alors, du coup, ça dépasse un peu tous nos clivages anciens. Hein. Et pour répondre, juste revenir sur Biancarelli, moi, il me semble avoir dit un jour en public à Jérôme Ferrat, qui est un ami et que j'estime beaucoup, mais j'ai dit, mais tu ne pourrais pas, de temps en temps, avec le nombre d'adjectifs qui existent dans la langue française, d'enlever un peu des enculés, un peu moins. Dans ce paragraphe, il y a 3 ou 4 enculés. Est-ce que, peut-être que ça correspond à une certaine modernité pour lui. Il a reconnu que j'avais totalement raison. Moi, je suis, même si le superficiel, évidemment, risque de... Et c'est ce que je fais, là, parce que je marque le superficiel alors qu'il y a autre chose, évidemment. Et c'est plus important, la création et la syntaxe et le fond de ce qu'il... philosophique, même, qu'il met en valeur, y compris probablement Marco. Mais ils ont une petite tendance, un tout petit peu. Alors, c'est l'âge, hein, forcément. Moi, ça me gêne un peu, parce que... c'est pas que je sache pas ce que ça veut dire, enculé. Mais est-ce qu'on est obligé de le mettre à toutes les sources et à toutes les pages en parlant de quelqu'un enculé, enculé, enculé? Bon, d'accord. Même au football, hein, quand les types ils tirent le 6 mètres, enculé, oh, ils s'enculent. Bon, franchement, je vois pas très bien ce que ça va faire là-dedans. Mais enfin, vous voyez, je veux dire, je rends le vieux con, là, hein, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Paolo Velli, sans commentaire. Paolo Velli. 1, 2, voilà. Bon. Donc, je vais m'octroyer le pouvoir de terminer et de conclure ce bon colloque sur la langue, la littérature. Je voudrais présenter mes élèves d'abord, voilà, de terminale, quasi douti chudi dao wisling, et d'irinom, azibouti. On avait la leva de Sagui. Et saluda Diagmo Fusine, Diagmo Udier, ce bel contento di Ridroali, voilà, hein, et du R, qui umisque des générations le mercure. Finisco qua l'anno di meglio che arrivato diremo studio centro culturale che fa un lavoro magnifico, ce la sottolinea qui, ma voilà, qui era per salutarvi. Dopo gli arrivano giusto un'altra, ciò che per aggiustare qualche punto, cioè ciò che l'ha detto Pedro Vondacci, e beh, che siamo stati prima metteone in altre scene, soprattutto si è scordato di a parità, okay, cantando come noi. E di sta là diremo già il famoso binomio maschio e femmina che cantano le canzoni insieme. Dopo, bon, gli strumenti musicali, che bon, sono ben udellini. E di arrompidura e berra con esse, cioè la dilla, e io dirò di aperte, dico mica che dirò contro la poesia di ieri, ma di una poesia che all'epoca non mi conveniva mica, non è vostra mica l'ispirazione di cantarla e di integrarla a un moganto. Voilà. Ma bella sicura, e l'ha detto Fusina, eravamo troppo forse in avanzo. E per chi aveva quando lo si sente rialzo, con lo si sente uisco esse, si vede che eravamo già ben avanzati, non ta, diciamo, non ta un'apertura, non ta l'altra. Che si è visto dopo, con i canti, diciamo, di sostegno, che abbiamo fatto, posto che ci siamo indiati in noi, non ta un filo bello, bello preciso di rivendicazione, che si è sicura. Rivengono Diago Mugier, a prima volta che abbiamo giocato, siamo stati insieme, era in Omessa, Orione, aveva fatto una bella idea con il padre Zagatta Giga, e noi abbiamo cantato, abbiamo cantato. Non esiste anche i diamagialesi, ma già tutto era indiato, dopo i corsi che abbiamo seguito insieme, dunque, a Marbeuf, e a produzione musicale che abbiamo fatto dando, voilà. Voglio aggiustare che
à l'idératura, enfin, au gorso, à l'oral, c'est maintenant de nous, et parce qu'il y a son importance, grâce à nous, à tout le travail, pour le réacquisto, et vraiment, il faut y rurou. Je suis arrivé à l'entacuer, parce que si nous sommes parti en timbidade, donc à cantar, et si sentir que j'ai une volonté de avancer de nous à la langue. En couboro, forse c'est l'usurte à peine du demado, mais tu l'as mercato, donc c'est un événement qui sera nouveau. Et pour finir, voulez accomplir dans ta nostra lingua. Alors, la nostra lingua qui est bella, d'une aberte, avance à un niveau d'insegnement. Enfin, avons comunque un numéro de giovani, grâce au bislingue, qui sont présents, qui font un poème avec une section bislingue compiée, digérée. Et à quand tu c'est sempre d'aberte de la gioventù, donc sous manque di naturale quasolingua, quando sono tenuti di agorte di asala in asala, dopo il corso di corso, quando sono agorte di creazione, quando sono andati a un tugulegio, tanto la lingua perde di sua forza. E que a me mi tocca, ma è così, di la realtà, di la realtà. Voilà. E je termine. Au mois de décembre va sortir la nouvelle anthologie de la littérature corse. C'est un bouquin de plus de 1000 pages qui a été fait donc par une équipe, je pense qu'il y a des universitaires dedans. Oui, enfin, oui. Si tu fais allusion à Petrus Antouménos, Petrer voilà. Et hein, Maté, oui, voilà. Oui, oui. Et je voulais souligner ce travail énorme qui a été fait par une jeune génération, il faut le on dire. On va en parler, on en parlera voilà. Abondamment, je pense, dans l'année. Voilà. Merci, Paolo Vélich. Attends, une dernière pardon. Question. Vas-y. Je voulais demander pourquoi on n'a pas marqué les antépénultièmes sur la réédition du Montese. Et ça, plein de gens me l'ont dit. Et ça rejoint encore la norme, m'a dit de mettre la lettre à l'intérieur d'un mot. Pareil, vous savez toujours que 8 personnes sur 10 disent Aland au lieu de Aland. Et ça continue d'année en année. Voilà. On va laisser Diago me répondre très rapidement, parce que c'est toujours pénible de prendre sur le temps d'une conférence suivante. Je rappelle que le thème des ateliers, mes ateliers d'écriture en prison, présenté par René Fregne, va arriver tout de suite. Juste 2 secondes à Diago pour répondre à ta question. 2 mots de ma part de conclusion et de remerciement, et on passe à la conférence suivante. Oui, alors, moi, je ne répondrai pas sur le fond, parce que répondre sur le fond, ce serait entamer le travail de l'équipe dont nous avons parlé, de cette académie, entre guillemets. Il suffit de relever les problèmes et le moment venu, mettre en discussion ces questions-là. Bon, donc, ou cantier ou continuer, hein. Voilà, moi on va s'arrêter là pour que la suite puisse avoir lieu normalement. Moi, je voudrais remercier encore chaleureusement les Belles Lettres pour cette belle manifestation qui s'étend du lundi au jeudi. Je renvoie au programme avec encore de belles perspectives. Je voudrais rappeler que le thème était vraiment très très large. Évolution de la langue corse dans la musique et la littérature. Nous n'avons fait, bien entendu, qu'effleurer, que balayer. Mais il me semble quand même que j'ai relevé la thématique de l'enseignement, de la norme. Le chant et la littérature ont bien été abordés. Et surtout des témoignages importants avec nos deux acteurs ici, comme Jacques Thiers et Jacques Fouzine, qui avaient un petit peu plus de perspectives historiques que nous. Et puis, bien entendu, ça s'est focalisé. C'est bien qu'on ait eu un témoignage des Tiamadialès ici, à travers Pedro Vondaggi et Paolo Veligenazica, qui, par l'exemple et par le témoignage de la vie culturelle, comme elle s'est déroulée dans un temps entre rupture et continuité, nous a apporté beaucoup. Donc, merci à tous. Et puis, nous laissons la place. Jeanne, nous cédons. Et merci encore aux belles lettres. Et bonne continuation sur cette belle manifestation.